Ça fait 6 ans que je gravite autour et à l'intérieur de cet organisme-là. Même avant, je visitais le parc parce que j'étais un résident de la ville de l'Île-Perrot. Donc, le parc historique, moi, c'était l'endroit que j'allais avec mes amis pendant mon adolescence. Là, on jouait de la musique sur le bord de l'eau le soir. Puis, c'était vraiment notre lieu de rencontre. Je connaissais, même à cette époque-là, j'avais 14-15 ans, puis je connaissais l'histoire du moulin et de la maison parce que j'échangeais souvent avec les guides animateurs qui travaillent là pendant l'été, pendant la haute saison touristique. Là, 7 jours sur 7, on retrouve des guides animateurs, guides animatrices qui sont costumés en habitant la Nouvelle-France. Puis à un moment donné, on m'a offert un emploi de guide animateur pendant que j'étais au cégep environ, que j'ai accepté. Donc là, j'étais moi aussi devenu un des guides, un ambassadeur du parc historique. Là. Donc j'accueillais les touristes et les résidents de. Puis la leçon, tu la connaissais déjà. C'était pas difficile de Non, c'est raconter ce ça. que ça faisait des années que tu entendais. Non, j'étais vraiment comme un poisson dans l'eau. J'aimais vraiment cette histoire-là que je connaissais par cœur avant de travailler sur le site. Je connaissais aussi les autres richesses que le parc peut offrir, comme sa diversité ornithologique. Donc j'ai appris à découvrir les oiseaux dans ce parc-là qui offre vraiment là, une diversité ornithologique exceptionnelle là, dans Vaudreuil-Soulanges. On est un des endroits les plus réputés pour faire l'observation d'oiseaux. Donc ça, je faisais ça même avant de travailler au site. Après ça, j'ai lentement gravi Les échelons. les échelons de ce petit organisme à but non lucratif à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot pour finalement devenir le directeur général cette année-là. Donc, c'était un peu comme une vision qui s'est réalisée parce que moi, j'allais sur le site puis j'adorais ce site-là. Je tenais vraiment à cœur là, tout ce qui se passait, toutes les activités qui étaient offertes là, gratuitement aussi. C'est encore le cas pour les résidents de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Île-Perrot, Terrasse-Vaudreuil et Pincourt. De Lille, quoi. De Lille, loin de C'est ça. l'Île-Perrot. Donc là, d'être le directeur général, qui est, à mon avis, le premier ambassadeur là, du parc historique, c'est super important pour moi. Puis je suis assez fier de ça.